The Good Path. Alors, c'est une série, voilà, qui passait il y a 4 saisons, je crois, sur la même chaîne que je regarde depuis quelques années déjà. Alors, l'histoire. Des gens meurent. Il n'y a pas de paradis ou d'enfer, il y a le côté du bien et le côté du mal. Ah ben ouais. Et là, t'arrives, soi-disant, dans le côté du bien. Mais en réalité, c'est pas ce qu'on croit. Alors, tu arrives dans un village, tout est beau, tu as un âme sœur, etc. Et puis, tu vois que tu découvres assez rapidement que c'est pas forcément le bien. Non. C'est que tu es en train d'être testé. Ouais. Il y a plein de diables, de diablesses qui se baladent dans ce village et toi-même, tu es. Les gens vont tester sur toi. Et puis la série, elle évolue. Ça, c'est la première saison. La deuxième saison, c'est autre chose, mais toujours avec 4, 5, 6 héros. 6 héros. Moi, mon personnage préféré reste l'ordinateur. Elle joue extrêmement bien, comme les autres. Sauf qu'elle joue, elle a un jeu multiple. Elle joue son propre rôle, mais dans à peu près une dizaine d'elle-même. La disco, la ceci, la cela. C'est l'ordinateur qui sait tout. Tu lui poses une question, elle a la réponse. Tu veux manger quelque chose, elle te l'apporte, etc., etc. Et chaque personnage évolue jusqu'au dernier épisode où personne ne. Alors, à un moment donné, ils retournent sur Terre, puis ils reviennent, puis ils font des essais, ils font bon, catastrophe. Il y a le diable qui n'est pas content, enfin, je sais pas, il y a même un juge qui décide où on va, il y a de nouvelles règles qui vont s'imposer, enfin, voilà, je vous en dis pas plus. Et j'avoue que j'ai accroché pour cette série. 4 saisons avec quelques épisodes seulement pour chaque une dizaine à peu près. Mais c'est vraiment très intéressant comme série, je la connaissais pas. Et j'ai accroché rapidement. Et là, il y aura pas de 5e saison, hein, on est d'accord, mais ça n'empêche. J'ai vraiment aimé cette série. Alors, ce que je vous conseille, c'est bien la regarder. Voilà. Alors, vous pouvez la regarder avec vos enfants. Ça ne fait pas peur. C'est pas. Voilà. Faites-vous plaisir avec cette série. Voilà. En plus, il y a des comédiens que vous connaissez bien dans cette série-là. Si, si. Bon, allez. Kenavogel, gros mec, et à très très bientôt pour une nouvelle critique.